19h, c'est l'heure du stream et on a de la grosse musique d'intro, toujours des effets spéciaux. En veux-tu, en voilà. Et aujourd'hui, on va retourner en 1987, étudier un shmup que pas grand monde connaît, puisqu'en fait, il avait pas grand-chose de glamour. C'est Blasteroids. Blasteroids, ben, c'est un remake de Asteroids, mais 10 ans plus tard. Est-ce que ça peut être génial? Est-ce que ça peut être extraordinaire? Est-ce que ça peut être magnifique? J'en ai aucune idée, on va le découvrir ensemble. Est-ce que je pourrais avoir mon fail de démarrage, s'il vous plaît? Oui, il est prêt? Ok. Je le mets où? Sur l'écran, là? C'est bon? Tout le monde le voit pas? Ok. Il n'y a vraiment rien qui s'affiche proprement? Ok. On est sûr qu'il n'y a aucun message à l'écran, quoi. Ok. Non, mais... la zénitude. Donc voilà l'animal. Oui, ben on vous avait prévenu, hein, c'est Asteroids, mais on refait 10 ans après. Alors 10 ans après, qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a plus de vecteurs déjà. On a de la couleur, on a des sprites, on a des effets de particules. On peut écrire des points à côté des objets détruits. Et on a un vilain pas beau, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment très mal luné apparemment. Donc Mucor, on va s'occuper de ton cas. J'espère qu'on va aller jusqu'à toi, parce que c'est... Moi les astéroïdes, je suis pas super... J'ai pas la patience, ça me gonfle très vite. Yippee-ki-yay, fonçons. Alors on peut choisir, on va prendre le Easy Warp, hein, parce que on est du genre easy dans la maison. Il faut que je fasse durer le kiki 5 minutes. Et t'as vu que si je fais que des petites particules comme ça va vite devenir le bordel. On va passer loin, lui. Alors j'ai une chance, mes tirs rebondissent. Je dois atterrir? J'atterris. Je vais le faire. Plus que 8 secteurs et Mucor verra le bout de mon canon à plasma. Ben, celui-là, il est bien. Ouais, mais on s'en fout. C'était pas loin ça. Ça se ramasse ça. Plus de stress. Je pars à la chasse du caillou. Caillou, petit caillou, n'aie pas peur! Attends-moi! Ok, il en a eu marre. Et nous changeons à nouveau de dimension. Allez, on va aller là parce qu'on est festif. On va éviter de tout casser, parce que ça va être le meilleur moyen de m'en prendre plein le cockpit. Exactement ce qu'il fallait pas faire. Là, on sent que je vais pas aller bien. Il va y avoir un problème, incessamment ou sous peu. Bah oui, bah oui. Comment je me suis fait ramasser? Oui, alors les astéroïdes avec moi, c'est pas très glamour parce que je bouge pas beaucoup. Oui, j'évite les risques, je me dis, anticipe de loin, c'est déjà pas mal. Haha! Mucor, prends garde à toi! Tes muqueuses m'appartiennent. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un con, comment on peut dire. Ouh, je vais ramasser ça, ça a l'air super bien. Non, 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 laisse-moi ramasser ça. Et maintenant? Vu qu'il sera désactivé pour le prochain niveau, je peux y aller. On a le droit d'arriver. On va aller là où il n'y a pas de gens. Celui-là, celui-là. J'ai
J'ai toujours mon shield, c'est miraculeux ça. Ouh! Mais il a servi à rien ce shield! Comment je me suis fait avoir? Alors ça, c'est un posé de toute beauté. Va-t-on enfin voir ce sale méchant Mucor un jour? Alors là, je saurais pas vous dire les anaches. Ouh, purée, ça pique. Ça va pas bien se passer, je pense. Te coucher, mon pauvre ami. Oui, j'utilise la technique du moucheron, ça marche pas mal. Hein. Non! Ça va très mal se passer pour moi, je pense. J'avais prévenu. Hein. Comment ça, je suis concentré? Bah oui, j'aimerais bien vous faire voir notre ami Mucor, qui, avec son salaire méchant et belliqueux, ne fait que attiser notre curiosité, les amaches. Alors, le jeu est jouable, le jeu est bien. Maintenant, de là, on va faire un chef-d'œuvre. On n'y est pas encore. Mais ceci dit, ça reste, pour être très honnête, le plus jouable des astéroïdes sur lesquels j'ai mis la main. Même si je me crache de bon cœur. Le grand moment se rapproche, je vous le dis en vérité. Ah zut, faut que je remonte là-haut. C'était le passage gratuit. Pardon, pardon, pardon. Un warp, les amis! Nous avons nettoyé la galaxie. Et on va enfin pouvoir s'occuper de ce gros fumier. Qui va me faire une vie infernale.
Et il me parle, et il me parle. Et je rebondis dessus tel une... Bien sûr qu'on le recommence, lui. Casse-toi. Il vient droit sur toi. Non, on va dans le sens, fais une blague. Alors ces petits trucs qui tirent des poustillons ridicules là, bah mine de rien ça vous fout toute votre life en l'air. Ce bordel! On va jamais y arriver les gars. Je ne peux pas y arriver dans ces conditions, ce n'est pas possible. Alors je vais jouer au con. Je vais juste le tirer sur lui. Oups. En fait, faut viser des parties précises de l'animal. Genre son appendice, là. J'ai pas vraiment compris ce qu'il fallait faire pour le défoncer, mais bon, le cœur y était. Je vois, il me l'a compté comme détruit. Et on va donc aller dans un deuxième univers. Et oui, parce qu'il y a plusieurs univers. Sinon le jeu se serait arrêté ou il aurait bouclé, vous le comprenez bien. Et ça aurait été moche, puisque... Regardez-moi cet amusement. Et cette folie qui me guette, puisque maintenant je suis complètement accro à ce titre. Ça y est, c'est fait. Je vais vouloir inexorablement en voir le bout. Puisque je sais que maintenant j'ai nettoyé un univers, j'en ai d'autres à nettoyer. Je suis excité, et je veux tous les faire. C'est un peu comme les Pokémon. Non, je vais aller chercher mon bonus d'abord. J'arrive. Hip, dérapage. Etc. On va pas faire durer ce stream de Blasteroids plus longtemps. Si vous voulez l'expérimenter, vous n'aurez qu'à l'essayer par vous-même, ce serait beaucoup mieux. C'est un titre qui pourrait être sélectionné. Personnellement, moi je vais le mettre dans la malle aux archives, au grenier, parce que c'est pas un gameplay que je trouve franchement enrichissant et qui est très... Il se traîne ce phénomène d'être très très répétitif qui est vraiment pénible, même si là on essaye de vous renouveler le genre en faisant des zones à débloquer pour atteindre le boss, ce qui n'est pas une mauvaise démarche en soi, mais qui n'empêche pas que le titre se répète énormément. Je vous laisse avec les deux streams habituels et je vous dis à demain 19h, même endroit. Ciao.